Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir caresser un chien de l'enfer sur le zombie de MW3. Déjà pour commencer, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Ensuite, ce que vous allez devoir faire pour recruter un chien de l'enfer, c'est de trouver des morceaux de viande en tuant des zombies. Alors vous avez plus de chances que les zombies lâchent des morceaux de viande si vous les tuez avec des armes explosives ou des objets explosifs. Quand vous avez un morceau de viande, ce que vous pouvez faire, c'est de vous rendre près des niches qui sont dans les zones de difficulté numéro 1. Ces niches-là vont vous demander un seul morceau de viande pour pouvoir recruter un chien de l'enfer. Si vous trouvez une niche dans la zone de difficulté niveau 2, là il vous faudra 2 morceaux de viande, et dans la zone de difficulté niveau 3, il vous faudra 3 morceaux de viande. Après, vous pouvez caresser le chien avec n'importe quelle niche de n'importe quel niveau. Donc quand vous avez recruté un chien de l'enfer, ce que vous allez devoir faire pour pouvoir le caresser, c'est tout simplement tuer tous les zombies qui sont aux alentours. S'il n'y a pas de zombies, vous allez voir que le chien va tout simplement s'asseoir, et là vous allez pouvoir le caresser. Alors pour information, ce chien est super cheaté parce que si vous jouez en solo, il pourra vous réanimer. Et même si vous jouez à plusieurs, il réanimera toute la squad. Et tant que le chien de l'enfer reste en vie, il vous réanimera en illimité. De plus, il faut savoir qu'il peut servir de tank parce que tout simplement, il va attirer tous les zombies sur lui et vous aurez plus qu'à tuer les zombies qui sont autour de lui. Et dernière information, le chien de l'enfer récupère de la vie en illimité. S'il ne se fait pas toucher, il va récupérer de la vie. Alors je sais pas si ça se passe aussi avec les chiens de niveau 1, 2, mais celui de niveau 3 se régène tout seul. Donc voilà, dès que vous aurez réussi à le caresser, ben là vous débloquerez le trophée, on peut caresser le chien.